Et salut à tous les amis, c'est Garnick, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Crash Landings, le troisième épisode, c'est Crash Landing ou Crash Landings? Ah, il y a un S. Le troisième épisode, donc, on se retrouve sur la map, donc j'étais mort au précédent épisode, j'ai recommencé encore une fois. Cette fois-ci, je suis beaucoup mieux parti, j'ai pas fait de conneries, j'ai mis de l'eau dans mon backpack, sauf que c'est bientôt la fin. Par contre, j'ai aussi cette EP ici, j'ai quelques bouteilles d'eau, quelques bouteilles d'eau en rab, d'ailleurs je vais devoir les prendre. Donc, je vais tout de suite augmenter ma réserve d'eau, voilà. Et remettre les autres là-dedans. Donc il va me falloir plus d'eau. Alors, hors caméra, je me suis remis plus ou moins au même niveau, je pense. J'ai crafté un peu de trucs comme ça, parce qu'on va en avoir besoin dans un instant. Et j'ai lu un petit peu, vous me l'avez peut-être dit dans le précédent épisode, j'ai pas encore vu les commentaires, mais le Bone Croc, et je suis un gros boulet, j'aurais dû le lire, c'était dit dans le bouquin, mais en gros, je peux m'en servir pour augmenter les chances de dropper une pousse d'arbre en tapant les feuilles avec. Donc je suis un gros boulet, j'aurais pu survivre si j'aurais pas, si j'aurais pris le temps de le lire. Donc on va pas sortir tout de suite puisque c'est la nuit. Je vois la minimap en haut à droite, il y a tout plein de mobs. Mais c'est pas grave, ce que je vais faire c'est reprendre mon livre de quête et regarder un peu ce que je dois faire. Je dois crafter ici un couteau en os et un crossbar, je sais pas trop c'est quoi. Alors, en fait, c'est des armes. Ouais, ça c'est des armes. Donc, on va se crafter quelques armes pour pas utiliser que des munitions. Même si les munitions ça va en fait. On peut en crafter assez facilement avec de la gunpowder et des flèches. Mais c'est vrai qu'il faut pas trop en abuser. Alors, pour ça, il faut utiliser. Donc, ça c'est des trucs de Tinker Construct. Tinker. Et donc, il y a plein de trucs qu'on verra au fur et à mesure. Là, ce que je veux voir tout de suite, c'est ça, la stencil table. Il faut juste un bout de bois et un blank pattern qu'on craft avec deux sticks et du bois. Donc, c'est juste du bois. Donc, stick, hop. Et un bout de bois. On a la stencil table. Donc, il m'a redonné un bouquin dont je me fous complètement pour l'instant. Hop. On va placer la stencil table plop, ici. Et comment ça marche? Alors, on place... il me faut d'autres patterns, donc il va me falloir deux patterns. J'ai pas assez de bois. Ah, la nuit. Non, du bois j'en avais assez. Voilà. Enfin, j'avais pas assez de stick. Donc je crois que la nuit est passée puisque j'entends des squelettes cramer ou à moins qu'ils sont en train de se faire des bisous, je sais pas trop. Donc, comment ça marche? On va crafter des patterns en fait, et moi ce qu'il me faut c'est le pattern du couteau et un autre truc. Sword Blade. Alors c'était celui-là, le crossbar. Et normalement après il me faut le... couteau, knife blade, blade pattern. Donc une fois qu'on a ça, il nous faut une deuxième qui est le part builder. Alors est-ce que c'est ça? Ouais, le part builder. Donc là c'est presque le même craft. Donc on se refait un petit pattern et un bout de ton arme qu'on va placer ici. Donc ouais, c'était bien ça. Donc on place notre pattern et les composants. Donc les composants, moi ça va juste être du bone meal. Puis on voit que du coup à partir d'un knife blade pattern, je peux faire un bone knife, on prononce pas le cas normalement, blade. Alors pourquoi il est en bone? Parce que je mets de la bone meal. Donc on va le faire, on va en crafter un seul pour l'instant. Puis on verra, on testera un peu à quoi il, enfin qu'est-ce qu'il donne. On va faire ça et après on va faire le deuxième qui est le bone crossbar. C'est pas trop à quoi il sert celui-là, par contre, peut-être à la même chose. Et voilà, donc je me suis fait un petit coffre ici dans lequel je vais ranger toutes ces merdes. Non, je vais peut-être les ranger ailleurs, je vais faire un autre coffre que je vais placer ici. J'ai placé ça là-dedans. Oups. Voilà, donc ouais, la nuit n'est pas encore passée apparemment. Donc normalement si je regarde mon livre de quête, ça c'est bon, c'est fait. Il me faut une armure maintenant et c'est une armure tout en bois. Donc on va se faire ça. Alors je sais plus si c'est en planche... Non, c'est bien en tronc d'arbre en fait.
Donc il faut se faire toute l'armure. Heureusement que j'avais été refarmer un petit peu. Toc toc toc. Et ça je vais pas le mettre du coup. Pas le mettre tout de suite du moins. Donc j'ai crafté. Alors voilà. On a fini toutes les parties de la quête. Je peux choisir. Donc je vais avoir un full guard pattern. Je sais pas trop à quoi il sert. Je peux avoir une tête de en bronze de pour une hache. Ça pourrait être cool. La même chose mais avec enfin des flèches en, pour faire des flèches en obsidienne ou un cœur. Enfin une vie en plus. Enfin ici là, vous voyez qu'on a 10 cœurs. Ça m'en donnerait un en plus. J'hésite. Je pense que je vais prendre ça parce que la bronze axe edge, je pourrais peut-être la faire moi-même plus tard, tandis que ça, ça va être chaud à avoir. Donc ouais, je vais récupérer ça. Et si je vais dans cet onglet-là et que je prends ça, je le mets ici. Et on va voir que quand je vais regen, je vais avoir un nouveau cœur qui va se mettre par au-dessus. Ou un demi-cœur, voilà, un demi-cœur. Est-ce que l'autre va arriver? Peut-être, peut-être pas. Ah si, voilà, c'était un cœur. Donc, ça c'est bon. Je vais déposer mon armure ici puisque je n'ai pas besoin, je me concentre sur force. Enfin, je reste avec ça pour l'instant. Donc cette quête-là est terminée, ça nous débloque... Waouh, plein de quêtes en fait. Night Fright. Oh, faut tuer du mob. Faut tuer du mob. Là, il me faudrait un stock de dirt, j'en ai pas pour l'instant. Ah, faire un slab furnace, ça c'est ce que je voulais faire. Je savais pas qu'il y avait une quête, mais tant mieux. Il va me falloir 8 de cobble, au lieu de 9. Donc, non, en fait, il m'en fallait 6. C'est pas grave, ça me fera de la cobble en rab. De toute façon, ça, ça ne sert à rien d'autre qu'à faire de la cobble, donc je peux même le transformer en cobble. Mais du coup, j'ai économisé un peu de cobble. 6 au lieu de 8 pour faire ce four tout pourri, tout moche. Et du coup, il est fait. Et là... Oh, là. Bon, là, on a les monstres qui sont en train de mourir de tous les côtés. Mais on va avoir plein de trucs. On va avoir un hopper, un autonomous activateur et un pneumatique cerveau. Et je vais prendre la flotte. La flotte ou la bouffe? Allez, run. Oh, je sais comment en avoir après, mais... Je suis bien tenté de prendre la bouffe. On va prendre... Tant pis, on va prendre l'eau pour l'instant. Du coup, j'ai fini une nouvelle quête, youhou. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Dans ce coffre-là, qui est un peu le truc avec tous les trucs techniques, je vais ranger ça pour l'instant. De toute façon, si je meurs, j'ai perdu. Parce que là, je vois qu'il y a des dizaines de creepers. Donc, je vais peut-être quand même prendre mon flingue. Ouais, génial. Ouais. Je vais mourir. Oh, j'ai touché un creeper méga loin. Oups. Ouah. Salopin. Je fais quoi, je tente de courir? Allez, soyons fous. J'ai eu peur. Alors, du coup, ça tombe bien parce qu'il faut que je fasse quelques kills. Oh là, il y a du people par contre. Lui, il a les yeux rouges, il me fait flipper. Je sais pas du tout si ça tape. Pff, ça tape que dalle. Ouh. Ah oui, c'est ça, c'était un creeper un peu spécial, je l'avais vu. En fait, il donne. Enfin, c'est des monstres un peu spéciaux qui vont donner plus que ce que ça est censé donner. C'est peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais en gros. Non, pète pas, voilà. Il va me donner plus de ressources. Ok, donc j'ai fait le tour. On va manger un petit peu. J'ai rien d'autre à manger. Enculé. Les petits creepers. On va remettre ça. Oh, bon. Alors, du coup, on va pouvoir tester ce truc-là. Hop.
Ouais, faut pas faire de clic droit, c'est bien clic gauche. Donc ça tape, déjà ça permet de les avoir plus rapidement. Et c'est censé augmenter les chances de drop. Alors encore un creeper, je le vois sur la minimap. Pour l'instant il a pas l'air de s'approcher de moi. Tant mieux. Alors est-ce que c'est le cas? Oui, j'en suis à 4 pouces. On va replanter. Alors donc, j'ai pas tué tous les monstres qu'il fallait pour la quête, je pense, ça m'étonnerait. Mais j'en ai tué quelques-uns. Non. Hop, 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 hop. Ok, bon, j'ai 3 pouces, puisque je vais en replanter une tout de suite. C'est pas des masses. Alors j'ai vite fait faire le tour d'ici, comme ça, ça va permettre de récupérer des loot. Oh, carrément ici, j'obtiens une fire charge. Ça c'est chouette. Tout ça c'est chouette, je prends. Alors les os j'en ai tout plein, mais c'est pas grave, je prends. Moi je veux surtout c'est des... Bon allez, on va le tuer. Ah, j'ai plus de balles. Ah. Est-ce que je peux vraiment taper avec ça? Je me pose la question, hein, des fois. Non, j'ai pas l'impression, en fait, c'est de la merde. Je taperais avec mes chaussures, ce serait pareil. Il y a peut-être moyen qu'il faut... Enfin, ça doit être une... Un truc qu'il faut combiner... Ah ouais, il faut sûrement le combiner avec autre chose. Pour pouvoir crafter le couteau, parce que là j'ai juste un morceau. Ok, donc on va repartir à la maison, j'ai besoin de bouffe. Alors je crois qu'en solution de secours, je vais reboucher avec ça pour l'instant. Est-ce que j'avais pas encore un peu de bouffe quelque part? Non. Alors en solution de secours, je crois que je peux faire ça normalement. Ça, ça, ça et ça. J'ai eu des trucs comme ça. Voilà. Donc ça, ça donne pas grand chose, mais c'est déjà mieux que rien. Avant d'avoir une meilleure source de nourriture. Oh, c'est tout pourri. J'ai bientôt tout mangé. Alors attendez. On va revenir avec ça. Ça, est-ce que je peux faire usage? Ouais, d'accord, je pourrais m'en servir peut-être plus tard. Ah, est-ce que je peux juste faire ça? Ça? Non. Est-ce que je peux... Ah, il y a encore un truc dans Tinker que j'ai pas construit, c'est la Tool Station. Je vais la faire vite fait. C'est... Comment c'est un peu le bordel là-dedans, non? Vous trouvez pas? Je vais devoir ranger un petit peu. Si je mets... Genre, je peux pas crafter un canif là-dedans. Les dagues. Ah, tac, tac. Et tac. Et j'ai une dague. Ok, cool. Je vais ranger tout ce que je n'ai pas besoin. C'est-à-dire quasiment tout ça. Un peu de bouffe, je vais garder. Ce que je vais tout de suite faire, c'est mettre ça là-dedans. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je n'ai pas besoin tout de suite, tout de suite? J'ai pas besoin de ça, pas besoin de la cobble. Ça, je vais essayer de reprendre parce que je vais peut-être pouvoir recrafter des chargeurs. Puis assez de flèches pour en faire d'autres. Fire charge, tête de creeper. Ça. Usage. Ça, je peux les griller pour en faire des machins. Ouais.
prends mon flingue, on va pouvoir recharger du coup. Ok. Ça c'est bon. Ok. Oh, j'ai plus de flotte. Heureusement que j'ai encore les deux cols machin. Donc, si je reprends mon book and quête, qu'est-ce qu'il me raconte le book and quête? Je vais le mettre là. Hop. Ça c'était fait. Oui. On va pouvoir s'en servir d'ailleurs. Tiens, faudrait, en fait, il faudrait que j'en fasse un de cookie de machin truc. Donc, il faut juste que je le mette là-dedans avec un stick. Ça va suffire un stick ou pas? Bon, je vais mettre tous mes sticks. Parce que de toute façon, mettre des pouces là-dedans, normalement, ça génère des sticks qui arrivent là-dedans. Donc, je pourrais m'en servir comme fuel dans un premier temps. Donc, normalement, ça me permet de finir cette quête. Et du coup, de récupérer. Bon, déjà, je l'ai gardé. Je pourrais le manger. On va le manger tout de suite, tiens. Ouais, ça vaut que dalle. Mais par contre, j'ai eu ça. Une nouvelle seed. C'est plutôt chouette. Est-ce que je peux la planter ici? Non, ça se plante sur la terre. Mais je peux pas refaire de la terre, en fait. Comment je suis censé avoir de la terre? Ou sinon, il faut que je choisisse ce que je plante. Donc je peux pas la planter pour l'instant, à moins que j'ai loupé un truc qui était censé donner de la terre, mais pour l'instant je crois que je pourrais pas le faire. Donc on va mettre ça là-dedans avec les autres trucs. Et c'est pas grave, on va le faire avec. Donc, book and quête. Là les craves, j'avais regardé, je peux pas les faire pour l'instant. Ah si, je peux faire ça peut-être. Non, je peux pas tout faire pour l'instant. On va revenir dessus après. Moi ce que je voudrais regarder c'est... tiens, est-ce que je peux faire ça? Unfired Crucible. Unfired Crucible. Ah, il faut de la clé. De la clé. Ah! Laisse-moi sortir! Wow, c'est quoi cette eau des ténèbres? Donc j'ai plus d'eau là-dedans et ça on peut pas les mettre en remplacement donc il faudra que je bois manuellement la boisson fraîche tout à l'heure. Donc j'ai récupéré un petit peu de clé ce qui va me permettre de crafter ceci. M'en fallait un, je vais vérifier d'abord. Ouais, m'en fallait un. Hop. Et ça c'est... Ah il me faut plus de clé que ça en fait, il m'en faut 8. Et j'en ai un, je vais pas aller très très loin. Et en plus la nuit tombe, il faudrait que je me dépêche. Je peux pas boucher ça en fait. Si. Voilà, donc j'ai plus d'autres clés pour l'instant. Ah oui, j'avais eu une torche parce qu'il y a des creepers qui ont une tête de... Pas une tête explosive, mais une tête de jack-o'-lanterne et puis ça... C'est sympa, ça, là, ça drop des torches du coup. Donc il m'en fallait 8. Et on va faire ça. J'en ai fait 9. Fuck. Dommage. Et du coup, ça me permet de terminer encore une quête. Alors, ça va me permettre d'avoir des trucs de... Tinker Construct et... Ah, je voudrais bien avoir le Ingot Cast. Ça, c'est cool. Donc cette quête est terminée, c'était cette quête là. Faut que je fasse une quête avant. Et là faut que je lui donne un water bucket pour avoir une ox sapling, water bottle et un bucket vide. Ouais. Ça peut se faire encore, on verra après. Là, faudrait plein de clay. Je vais voir si je peux pas crafter d'autres trucs. Alors je vais d'abord ranger ce que j'ai eu, tout ça. Ça je peux le ranger pour l'instant. Non, je vais reprendre ça et ça parce que c'est du Tinker Construct et je vais le mettre là-dedans. Dans le coffre Tinker Construct on va dire, pour l'instant. Manger un petit coup. Manger les trucs pas bons. Et... Bah va falloir survivre à la nuit en fait. Alors ça donne 25%. Donc,
Je vais voir comment on fait pour faire un mortar. Ah, donc il faut de la stone. Bah je peux pas le faire parce que j'ai plus de cobblestone si je regarde bien. Est-ce que je peux reconstruire la cobblestone, tiens? Je sais jamais. Non, on peut pas en faire la cobble à partir. Donc j'ai pas la cobble nécessaire, c'est dingue, ça peut avoir de cobble. J'ai pas la cobble nécessaire pour faire ce truc là, donc je peux pas le faire. Et les autres demandent encore pire. Je crois même que ça demande du fer à la fin. Donc je peux pas faire ça. Ouais, celle-là je peux pas la faire. Celle-là est faite, celle-là je peux pas non plus. Hunger Games. Ok, je peux pas le faire tout de suite, il me faut de la dirt. Là, le truc pour tuer des monstres, j'ai tué suffisamment de creepers, pas encore assez d'araignées ni de squelettes, ni de zombies. On va faire des raids nocturnes pour ça. Et ça me donnera des trucs chouettes. Donc, je peux pas faire ça non plus, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je peux faire en fait? Là, faut que je lui donne des minerais de tout. Alors, je crois qu'il est temps, tout doucement... ouais, vous savez quoi, je vais me préparer tout doucement, je vais couper pour la nuit et je vous retrouve, j'appuie sur le bouton sans faire exprès, je vous retrouve au petit matin. Oh les amis, alors, vous savez quoi, on va tenter, oh putain, de tirer dans le tas, et espérer dégommer quelques mobs. Oh pas les bébés creepers. Oh putain, ça c'était pas prévu. Oh, ça c'était pas du tout prévu. Et c'est pas du tout bon. Flûte. Ça, ça va encore me valoir une mort. Ah, je veux pas recommencer. Bon, je reviens au petit matin. Re les amis. Alors, ça a été assez violent. En fait, il y a des monstres qui sont apparus, enfin pas qui sont apparus, mais qui ils ont fait péter le plafond. Je vous montre ça dans une seconde. Ça a été suffisamment violent. J'ai pas eu le temps de reprendre le truc. J'étais un peu en stress. Je voulais absolument pas mourir. Du coup, j'ai réussi à les tuer. J'ai failli crever. Ouais, je pensais avoir appuyé sur le bouton, mais là, je me suis aperçu que je l'avais pas fait parce que c'est pas aussi qu'ils soient. Ouais, c'est ça, je l'ai loupé. Je vais m'en sortir. Donc, malheureusement, je suis désolé, mais vous avez pas vu la baston. J'ai récupéré plein de conneries. J'ai perdu mon couteau de combat. C'était plutôt efficace. Hein, ça faisait pas mal de dégâts. Mais il est pas méga, méga, méga solide. J'ai tabassé tous les mobs que j'ai vus. J'ai perdu plein de munitions aussi, je suppose, du coup. Niveau munitions, ça dit quoi? Bah, j'ai plus de chargeur en rab. Donc, c'était vraiment chaud des fesses. Du coup, ce que je suis en train de me dire, ce que je vais faire, c'est... Je vais boire un coup déjà. Et je vais tout de suite travailler à me faire une zone de sécurité en fait. Parce que je ne peux pas sortir tranquillement sans me faire violer. J'ai besoin de sortir un coup de temps en temps. Donc je vais me faire une zone à peu près safe. Arrêtez de tenir Marcel en même temps. Alors, 1, 2, 3, par rapport à la porte, 1, 2, 3, comme ça. Et j'ai déjà plus assez de ressources. Hop. Voilà. Donc, il y a peut-être une astuce pour avoir du... plus de dirt, mais j'ai pas encore trouvé comment faire, donc pour l'instant je suis un peu à la dèche avec un seul morceau de dirt. D'ailleurs faut pas qu'il pète, je serai un peu dans la merde sinon. Je vais, alors je n'ai pas assez, je peux pas combler avec autre chose. Si, je peux combler avec ça pour l'instant, donc ça me protégera pas des araignées, ça me protégera un petit peu quand même, c'est déjà ça.
Je pense que ça va me protéger de quasiment tous les autres mobs. Tiens, j'ai récupéré un bloc comme ça. Dans la bataille. Voilà, c'est par ici que les monstres sont venus tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ça a pété, mais bon. Ok, donc. Ce que je vais faire vite fait, c'est récupérer ça. Vous pouvez en mettre ça. Ils peuvent venir par là. Les fourbes. En fait, ça me protégera pas à fond puisqu'ils pourront venir par au-dessus aussi, je suis en train de me dire. Pour descendre tranquillement, donc ouais, ce sera pas très très safe. Ce sera un peu plus safe, mais pas méga safe. J'ai pas eu des torches, j'ai cru voir qu'il y avait des creepers. Ah bon, on n'a pas droppé les fumiers. Donc, on va process ça, tiens, vite fait. Et va falloir que je bois très vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais process les saplines. J'en ai replanté une, ouais, j'en ai replanté une. Ah, vite, 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 faut que je bois. J'ai plus rien à boire. Inversion. Parce que là, je suis en train de choper ce truc-là et c'est la merde à s'en débarrasser. Bon. Je sais plus ce que je voulais faire. Bon, vous savez quoi? Je me remets tout ce qu'il fallait que je fasse en tête et je reviens tout de suite. Ok, les amis, je me suis refait une santé. Normalement, je devrais pas mourir d'ici peu. Je me suis refait des stocks de flotte. Normalement, ça devrait le faire un moment. Je me suis refait un couteau. Je me suis refait des munitions. Je me suis refait un peu tout ce qu'il fallait. Et j'ai été chercher un petit peu de dust parce que ce que je veux faire, c'est. Des ressources du fer notamment. Pour faire du fer, on peut utiliser ce truc qui est ici, le siège, je sais plus quoi, le sieve. Pour produire cette ressource-là ou cette ressource-là, le plus sympa, ça va être de le faire. Alors, est-ce que ça va être de le faire? Là, on a des chances d'avoir du diamant quand même. Moi, je pense que le plus sympa, ça va être de le faire avec ce truc-là. Ouais. Donc il faut du gravier en fait. Et pour faire du gravier, on peut le faire via le hammer avec de la cobblestone. Donc il me faut d'abord de la cobblestone. Pour ça, il me faut. Alors est-ce que j'ai pas encore des petites dust? Non, j'en ai plus du tout. Donc premièrement, il me faut de la cobblestone. Donc pour ça, il faut que je mine ces trucs-là. Sachant que la cobblestone, j'en avais peut-être encore un peu en rab. J'en avais pas un morceau en rab. Ah bah si, je l'ai là. Et du coup, si jamais je le. Je peux pas le. Alors, normalement, je dois faire ça et le péter avec ça. Et voilà, ça m'a donné un de gravier. Et donc, le gravier. Si je le mets là-dedans et que je le processe, donc on va. On va voir à peu près ce que j'ai. J'ai rien eu. Ok, donc. Je vais farmer un petit peu ce truc-là. Et je reviens dans un petit instant quand c'est terminé. À tout de suite. Non, en fait, les amis, j'ai une autre idée. Je vais continuer. Enfin, je vais laisser ça comme ça, mais je vais vérifier juste un petit truc. C'est est-ce que j'avais pas eu des poussières pulvérisées? Tin, copper, gold, iron. Bah voilà, il y en a ici. Pulvérisé d'iron. Donc en fait, j'en ai déjà de l'iron via ce truc-là. Donc j'ai pas besoin de m'embêter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste, pour l'instant, reposer ça. Ouais. Et du pulvérisé d'iron, j'en avais déjà. Il fallait pas s'embêter plus que ça. Ça, je peux le mettre dans un four après. Ouais. Alors par contre là c'est en mode hardcore, il m'en faut 4 pour faire un de fer en fait, du coup c'est assez cher. Ah, c'est re l'anarchie dehors, ce coup-ci j'y vais pas. Donc là je devrais avoir un petit peu de fer. Tada! Donc la quête, je sais plus laquelle, c'est celle-là, il faut du fer, gold, je crois que je vais faire tout ça. Vite fait,
Je verrai si j'ai tout ce qu'il faut, mais je pense que oui. Je fais tout ça et je reviens tout de suite. Heureux. J'ai presque tout. En fait, je suis dégoûté. Il me manque juste un tout petit peu de silver. Donc, il faut que je reprocesse un petit peu pour un de la silver dust, en fait. J'en ai pas assez. C'est bien ça qui me manque, hein. Ouais, silver. Et j'en ai encore en rab quelque part. Tin, copper, gold, iron, un truc. Non, c'est bien ça, il m'en faut encore un peu. Donc en fait, il m'en faut... Vu que j'en ai 3, il m'en faut 4 en fait. Donc il m'en faut vite fait 4. Alors là, les zombies viennent de mourir, mais il y a plein de creepers aux alentours. Apparemment, comme on le voit sur la minimap, c'est pas bon signe tout ça. Faudrait vraiment que je pense à torcher en fait. Alors caméra, je vais mieux gérer mon bois pour torcher un petit peu. Parce que c'est un peu la merde là. Donc ça c'est bon. Je vais pouvoir passer au tin. Lead, gold, tin, copper. Ah, un poisson. J'ai pas encore eu ce que je cherche. Allez, s'il te plaît. Bon, je suis pas sûr que je les aurai là. Une blaze powder. Bon, je fais tout ça et je reviens tout de suite. Ah, y'a un salopard de creeper qui m'a pété à la tronche, j'en ai marre. Donc ça encore fail. Donc là j'en ai marre, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vais tout reconstruire pour la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine et salut à tous.